La Belgique faisait déjà face à des défis structurels lorsque la crise du Covid a fait irruption, à savoir l'érosion de sa croissance potentielle et la double transition environnementale et numérique. Et de tels changements continueront de faire partie de la croissance de l'après-Covid. En fait, la crise a renforcé l'urgence de transformer l'économie belge. La crise a été le révélateur, voire l'accélérateur de certaines tendances en cours, et c'est notamment le cas de la numérisation. Faute de pouvoir se rendre dans les magasins, de nombreux Belges se sont tournés vers les achats en ligne. Pour ceux qui le pouvaient, le télétravail s'est imposé et dans l'enseignement, des outils pédagogiques en ligne ont dû être rapidement développés. Et en permettant la poursuite des activités, la numérisation est un facteur de résilience durant la crise, mais on constate qu'il existe une réelle fracture numérique qui touche tant les personnes que les entreprises. D'autre part, la Belgique continue de s'engager dans sa transition écologique. Des objectifs ambitieux ont été fixés. Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 55% à l'horizon 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc, les efforts devront s'accélérer si on veut atteindre nos objectifs climatiques à temps. Pour y parvenir, tous les acteurs économiques devront être impliqués et il existe un éventail d'outils. Au niveau du cadre réglementaire, ce sont des normes et des permis environnementaux. Il existe un système d'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne qui crée un marché du carbone ou encore la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Alors, vers quelle reprise se destine-t-on? Eh bien, anticiper de telles évolutions futures est particulièrement périlleux vu l'ampleur des incertitudes. Mais la crise entraînera des réallocations entre les entreprises et entre les branches. D'autre part, le numérique devrait rester central. Et là, la Belgique dispose de bonnes infrastructures, des réseaux fixes et de bonnes intégrations de nouvelles technologies par les entreprises. Enfin, la stratégie de relance sera fondamentale dans la manière dont elle va définir l'assise de la reprise. Et précisément, les plans de relance européens et belges sont axés autour du climat et du numérique. Alors, les défis structurels pour l'avenir, en gros, ils n'ont pas changé. On retrouve essentiellement les mêmes défis qui préexistaient à la crise Covid. Ce qui se passe, c'est qu'on aura probablement un peu moins de moyens pour les aborder, puisqu'on a dû injecter beaucoup de moyens pendant la crise elle-même. Et peut-être on a observé une certaine accélération de certaines tendances, c'est clair, dans le domaine du télétravail ou de la digitalisation. Mais donc, les enjeux, c'est évidemment le fonctionnement de notre marché du travail, le fait qu'il est parfois, il ne permet pas toujours une réallocation rapide des ressources. On a l'enjeu climatique qui va se rajouter à ça et la nécessité pour notre économie progressivement d'aller vers un niveau d'émission nul. Ça veut dire qu'on va devoir en fait se passer de pétrole, de charbon et de gaz naturel dans les décennies qui viennent. C'est un enjeu très important. On va devoir s'y adapter. Et là, c'est vrai que comme économiste, on est d'avis que le point crucial, c'est quand même de donner des signaux clairs aux entreprises et aux ménages que le prix du CO2 doit être clair et doit pouvoir augmenter. Alors ça peut être sous forme de régime de droits d'émission qui existe déjà pour l'industrie ou probablement d'une fiscalité adaptée en la matière. Sans ça, nous craignons qu'on va rester à un débat qui est essentiellement un débat volontaire mais qui ne va probablement pas parvenir à amener l'économie où elle doit aller, c'est-à-dire une économie décarbonisée. Donc je crois que oui, il va falloir avoir un débat notamment sur des formes de fiscalité plus vertes, taxes CO2, ou autre. Pour le reste, l'économie belge est une économie petite, ouverte sur le monde, performante, qui protège assez bien ses travailleurs. On a des niveaux d'inégalité qui sont moins élevés que la moyenne européenne. Mais ça veut aussi dire que parfois, ici et là, on est plus rigide et que la réallocation des ressources se fait moins bien. Cette réallocation, elle va être nécessaire pour les raisons que je viens d'évoquer, vers une économie plus verte, vers une économie plus digitale. Et ça va nécessiter un certain niveau de flexibilité dans la manière dont les gens peuvent trouver leur place dans cette économie.